consiste à tout dire. D'intelligence sociale. Qu'est-ce que vous mettez vous-même dans cette forme d'intelligence sociale? Qu'est-ce que vous dites? Cette forme d'intelligence sociale, c'est la capacité de comprendre et construire le lien social. Il s'agit d'essayer d'être ensemble. Et pour être ensemble, il faut penser ensemble. Il ne s'agit pas seulement de se mettre dans une salle et puis chacun envoie des messages par SMS à d'autres. Il s'agit de penser ensemble. Pour penser ensemble, il faut prendre le temps d'échanger nos informations pour essayer de poser des diagnostics. Alors, je vais vous laisser faire parce que vous avez déjà expliqué comment vous pensez. Cette banque, cette synthèse, cette synthèse qui tourne, qui est un peu plus simple que ça, je vous laisse écouter. Les entreprises, ensuite nous verrons les questions handicapées. Sur les entreprises, qui est la première partie sur les livres bleus, nous allons classer l'ensemble de vos réactions dans trois thèmes. Premier thème, dispositif budgétier, tout ce qui relève des décisions que peut prendre exclusivement le GFIP, pour ensuite des dispositifs multipartites qui supposent des décisions de plusieurs acteurs, et puis le mode relationnel entre vous. Donc, sur le premier élément, premier thème, dispositif budgétier. Inventer les offres, les critères d'accès à l'offre, il faut optimiser la CVTech. D'autres vont un peu plus loin et disent qu'il faut préparer, assister les différentes phases de recrutement, il faut repenser, optimiser le fonctionnement des capteurs, organiser une plateforme conseil aux entreprises. D'autres vont encore plus loin et disent qu'il faut construire un module de gestion professionnelle de l'emploi et des compétences des personnes handicapées. Il faudrait construire des modules de formation. Construire des modules de formation pour les étudiants, inventer et animer un observatoire de l'emploi des personnes handicapées pour surveiller l'évolution des métiers et puis valoriser les bénéfices induits par l'insertion des personnes handicapées dans l'entreprise, c'est-à-dire éviter une sorte de charte de la citoyenneté, de la diversité, de la solidarité. Second terme, dispositif multipartite, certains disent qu'il faut commencer par simplifier.
accroître les financements, développer toutes les formes d'accès à l'emploi. D'autres sont un peu plus audacieux encore et disent qu'il faudrait essayer d'articuler les bases d'emploi, les entreprises, les bases de données, les dispositifs de réception, faudrait installer la fonction à temps partagé, chargé de mission ou handicap. Pour certains, vont jusqu'à dire qu'il faut promouvoir l'insertion des personnes handicapées comme destinateur de ce que sont les ressources humaines de l'entreprise, de ce qu'est l'entreprise, de ce qu'est son code génétique culturel qui, à travers la façon dont il insère les personnes handicapées, est différent. Il faut essayer de promouvoir des offres d'emploi en diagonale et puis appliquer des médias. Des médias qui sont assez peu présents sur le sujet. Que sur les dispositifs multipartites, il y a trois éléments. Il s'agit de simplifier l'embauche, coordonner, mutualiser les énergies, donner du sens au lien pour ces handicapés entreprises. Et maintenant, sur le troisième thème, en termes de mouvement de relationnel, il s'agit de faire connaître les cas d'emploi, les offres, la loi, les pénalités, risquer d'autres, jusqu'à dire il faut montrer que le handicap est l'affaire de tous, il faudrait faire s'exprimer. Les entreprises, les personnes connues et influentes, la médecine du travail, les responsables de ressources humaines, et puis il faut intégrer les personnes handicapées parce que ça marche et montrer que ça marche. Parce qu'il y a des candidats de qualité qui sont dotés d'une force personnelle, on l'a vu dans certains témoignages tout à l'heure dans les films, qui est liée à leur handicap, montrer que des insertions sont réussies. Et puis, sur le dernier élément, nous avons. Il s'agit de s'appliquer tous ces formes dans des processus de mobilisation de toutes les entreprises, de l'échelle nationale jusqu'au poste d'emploi, en passant par les clubs, les associations, les fédérations professionnelles, les chambres de commerce, les chambres de métiers, les élus locaux, les maisons départementales, la presse. Il faut appliquer tout le monde dans un processus de mobilisation globale. Donc, on s'intéresse sur le monde relationnel et vous dit que finalement, il faut mieux informer. Faire connaître les bonnes pratiques et structurer le dialogue. Sur la deuxième partie de ce livre bleu, qui concerne les personnes handicapées, trois thèmes là aussi, ce qui concerne la relation et la formation et l'emploi. Sur le premier thème, relation et l'aide, vous dites que ça commence par des idées aussi basiques que souvent soigner les prothèses auditives. De la communication à travers d'autres relais que ceux de l'exclusion. Il y en a d'autres avec eux, télé, mais aussi avec la communication simplifiée et accessible, l'idée du numéro vert. Certains proposent des éléments qui sont plus structurants et plus complexes à mettre en œuvre, avec la construction d'un sol durable pour le reste de l'extérieur, l'installation d'un bilan global et même récurrent sur les plans médical et professionnel, mais aussi social et sociétal. Et en construisant un accompagnement complémentaire pour les personnes les plus éloignées de l'emploi.